Le secret du tour, c'est une poche secrète que l'on ne voit pas de l'autre côté du tube grâce à la perspective. Voici comment fabriquer ce tube. Pour réaliser ce tour, vous avez besoin d'une feuille cartonnée type papier canson d'à peu près 180 grammes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre des chemises cartonnées pour les dossiers. Vous allez prendre une feuille de 21-29-7, le format A4. Vous allez la plier en deux, ça va vous déterminer votre milieu, voilà, qui est tracé ici. Puis vous allez faire des sections de 5 cm, voilà, il y en a 4, et ça va vous laisser une petite bande d'1 cm que vous replierez ensuite à la fin. Voilà. Il y a une de ces sections qui dépasse de l'autre côté, voilà, et vous faites des petits volets qui vont faire 1 cm là, au bout, et partir en biais vers le milieu. Vous allez ensuite découper selon les lignes, voilà, pour obtenir ceci. Vous allez plier dans toutes les directions le long des lignes, voilà, le petit triangle également, et assembler le tube de cette façon. Vous allez replier la languette supérieure, replier les deux éléments en triangle. Vous allez mettre un petit peu de colle, voilà, de ce côté-ci, de ce côté-là, sur les petits triangles, et rabattre, voilà, les deux éléments. Tout ça va coller. Vous allez ensuite mettre un peu de colle à l'extrémité du grand côté, replier et venir placer la languette, voilà, sur la colle. Vous laissez sécher la colle, votre tube est prêt. Maintenant que la colle est sèche, votre tube est prêt à fonctionner. Vous allez maintenant décider ce que vous allez placer à l'intérieur du compartiment secret. Moi, j'avais placé un sachet de thé et un sucre, mais vous pouvez placer des tas de choses différentes. Là, pour essayer, j'ai mis des écouteurs avec un fil. Et vous pouvez mettre des bonbons ou des petits bijoux. Pour présenter le tour, vous montrez au spectateur le côté du tube, voilà, où par perspective, il ne voit pas le compartiment secret. Et juste, vous n'avez qu'à, voilà, sortir l'objet pour le faire apparaître.